هذا البرنامج يقدم لكم برعاية أوريدو. أوريدو عيش الإنترنت. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في هاك جديد شاك سامدي على الجزائريه وان بيان سور 18 نقصرو سينما جو فيديو اكتو مانغا. راه هذا الاسبوع وين رانا في لاباي جيمز ويك 2018، ان دي بلو غران سالون جو فيديو في العالم في اوروبا بيان سور. 300,000 فيزيتور كل عام يجيو من 26 ل 30 اكتوبر. ان توكا 80,000 متر كاري راهم كونساكي لهذا لو غران حفل هذا تاع الجو فيديو. دونك بون اون ا اول طون حنايا قصرنا بيان، اون ا في تور دو ستاند، لعبنا لي جو بيان سور. دونك لا جو فو ليسي افيك واش كاين كوم كونتوني ان بون بيتي سوجي. الوغ تور دو ستاند تاع كاع لي زيديتور، ماشي كاع كلكوزان لي عجبونا، كلكوز انترفيو ماشي كاع كيف كيف. جو فو كونساكري كلكوزان مي زامبرسيون سور لي ديرني جو لي تلعبو في لو 3 وعاودنا لعبنا مانا كي سورتيرون لاني بروشين. فوالا جو فو لاس رابيدمون افيك سو بيتي تور ان كونتوني هايل سبيسيال باي جيمز ويك، ونتلاقاو من بعد باش نفريوها مع لي جو ا غاني كومباني. فوالا توت سويت مي زامي. هاي الحبايب كومون سو تروف بيان سور على باري جيمز ويك 2018. انكور اون فوا هاد الخطره لعبنا يا كالكو مينوت لو جو دريمز تاع ميديا موليكول. وي مسيو، دونك هاد لو جو كون اتون دوبي تري تري لونتون. جو بلا ربي انونسي في باري جيمز ويك 2015 نو سي سا دريمز. ايه سي لا بروميير فوا لي شفناه سي سا. دونك هاد اللعبه سنيناها تري لونتون. دونك ميديا موليكول كي ديفلوب سا. Oui, oui, c'est un jeu très ambitieux qui m'a dit Rambo. Heureusement que Rambo est là où il y a. Heureusement. Donc, il m'a dit que cette jeu se présente comme un espèce de logiciel. C'est un logiciel pour créer des jeux, d'autres jeux, mini-jeux qui m'a dit. Donc, ce qu'on a pu essayer le barah, donc il y a un jeu de, des jeux de plateforme, des shooters de l'espace, il y avait un jeu musical. Donc, il y a plein de type de jeu que vous créez. Et bien sûr, l'objectif de cette jeu, comme Little Big Planet par exemple, il est chouette. Donc, dans le jeu, comme on dit, des jeux à jouer avec les développeurs. Mais le but, c'est quoi? C'est de pousser la communauté à créer ses propres jeux. Voilà, messieurs, donc je vous laisse. Impression, Shaft, My Games Week, le jeu Dreams, très bon. Hey Habib, comment on se retrouve encore une fois à la Paris Games Week 2018 avec cette fois le stand de Xbox, puisque Ardo Alena en exclusivité, and Xbox en tout cas, des jeux Capcom. Et j'ai pu jouer dans un premier temps à Devil May Cry, un jeu là où la haqa fait le mois de mars 2019. Donc c'est la suite directe à Devil May Cry 4 à la Belcom. De toute façon, il y a eu le remake de Ninja Theory entre temps. Lakin, le 5 Hada, il est redéveloppé par Capcom Japon avec le producteur Taro bien sûr à la base. Alors ce que j'ai pu tester, c'est une petite démo de 10 minutes. Je ne sais pas où je me niveau, il y avait un boss à la fin. En tout cas, gameplay toujours aussi bourrin. Oui, je pourrais dire ça, puisque je n'ai pas décelé avec la façon technique de jouer, d'éviter les ennemis et de faire les combos. En tout cas, c'était un peu plus bourrin. En tout cas, le graphisme, je bête encore une fois, je pense que ça utilise un peu les derniers moteurs développés par Capcom qui mettent à Resident Evil 7, le dernier, le RE Engine. Donc il est utilisé Devil May Cry le 5 et Resident Evil Remake le 2. Mais donc nous allons aller à Dak. Donc DMC numéro 5, Telabo bien sûr avec Nero, Dante, Aoula Ahmed, et un troisième personnage qui a été dévoilé il y a quelques mois. Encore une fois, le gameplay. Je suis un nerveux, je suis un bourrin. Donc c'était une partie où il y avait beaucoup de... Il y avait un tutoriel, il y avait des créatures bizarres et un boss à la fin, les Rlebné. Ouais monsieur, voilà, Rlebné. Mes impressions sur le jeu Days Gone. Alors Days Gone, c'est fait par le studio Bend à la Belcom.
Alors, c'est le triple A, open world, très Walking Dead, Last of Us aussi, d'ailleurs, qui je faisais la première fois. Ça ressemble à Last of Us, mais c'est pas ça. En tout cas, on a eu l'occasion, ben, je l'ai beau, une petite partie, Mokbelet, une session de 15 minutes, où on avait le choix. Ben, je l'ai un héros, deux phases de jeu, Wahda très bourrine, hein, Winkel, les zombies, je l'ai moins raconté, bzaf. Ou la deuxième, un peu plus furtivité. Je vais vous dire comment le jeu qui est la première fois, le 3, c'est vrai qu'il a jubilé sur les grands écrans. Qui est le jeu sur YouTube? J'ai vu que la qualité est un peu plus, mais là, qu'il a joué sur des écrans 4K HDR, je peux vous confirmer que le monde hyper kbiru, les détails surtout à la modélisation du personnage principal, et puis l'inertie, c'est-à-dire le wazn, le personnage qui est manipulé au fait. Je trouve que tu sens vraiment la lourdeur du personnage qui m'a God of War, par exemple, ou là. Days Gone, n'est-ce pas les Games Week, très très bon jeu à surveiller. Heureusement qu'il a évité la sortie avec certains jeux de Khorjou le 22 février. C'est un concret génie. Une vraie bombe, jeu haïl bel bzaf. Bon, moi j'ai eu besoin de l'aide du producteur, donc les dernières interviews Théo. Un jeu pas très simple d'accès. Laisse-moi te connaître un petit génie, c'est loin d'être mon cas. Alors, Habib, concret génie, un très très bon jeu, exclusivité bien sûr PlayStation. C'est fait par Pixel Opus, donc un studio interne PlayStation bien sûr. Ils sont pas très nombreux. Le jeu vraiment a une patte graphique haïl bel bzaf. C'est très. Tim Burton, Psychonaut, il a joué. C'est moi, développeur. Double Fin, voilà. Donc Psychonaut, très Tim Burton qui marque comme dans l'univers. Et je bats le Second Son, le personnage principal. Donc, c'est très simple. Quand tu joues contre Jenny, c'est une espèce de pinceau, d'ailleurs, le brush. Donc, tu avances le niveau, des murs. Là, il faut appliquer de la peinture à l'homme avec des plusieurs types de pinceaux, de brush. Un soleil, ça rappelle Okami et tout. Donc les développeurs bien sûr, mais c'est simple, ils ont beaucoup d'inspiration que Thomas Arfom, Hana Arfom. En tout cas, chauf, concret génie, il va sortir donc Spring 2019, donc l'Amel Jay Farbea, un jeu qu'on attend de pied ferme qui m'encolo. Bref, je vous dis à très bientôt pour de futures impressions de la Paris Games Week 2018. Très très bon jeu. Un encore le halcom d'orca. Donc, avant de terminer la Paris Games Week, concret génie. Au Dreams, c'est les deux meilleurs jeux du salon. Voilà. Aïe, terbah. Merci. Salam. Ciao. مرحبا بكم في جديد avec Bertrand Amar. Oui monsieur, le can fkar kom bark. Ça a été ma première interview en 2015 à la Paris Games Week. Ça a été, tu m'as porté chance. Merci à toi. Alors on va commencer vite fait avec déjà un premier aperçu de la Paris Games Week 2018. On voit que cette année, il y a du bon contenu, il y a de la qualité, il y a du volume. Je vois qu'il y a encore plus de monde, j'ai l'impression, surtout dans ce pavillon où il y a du e-sport. Donc toi comme t'es un gros client de cette Paris Games Week. Dis-nous, qu'est-ce que tu ressens après l'ouverture? Ouais, ben cette année, il y a énormément d'e-sport à la Paris Games Week. Je crois que c'est vraiment la grande tendance de l'année, puisque l'e-sport sort du Hall 3. Là, on est dans le Hall 3 qui est historiquement le hall de l'e-sport avec la scène de l'ESWC, avec ESL, avec la scène Rainbow Six. Mais cette année, il y a même des tournois qui sont dans le Hall 1, qui est normalement le hall un peu plus grand public. Par exemple, PlayStation a organisé un énorme tournoi sur FIFA, la Continental Cup, avec une arène, je ne sais pas si tu as pu la voir, mais c'est magnifique, 400 places pour venir voir du FIFA avec Brack, Mahmoud Gassama et Bruce Granek aux commentaires. Donc ça, c'est génial. Il y a Fortnite aussi. C'est la première fois que Epic et Fortnite exposent à la Paris Games Week. Et le stand est gigantesque. Hein, il est gigantesque. Donc c'est vraiment une année qui est marquée par l'e-sport, ce qui me fait plaisir puisque c'est une grosse partie de mon activité. Quoi. On va parler de ça dans quelques secondes, mais d'abord, on va rester joueurs, hein. Nous sommes des joueurs de jeux vidéo à la base. Et quels sont les jeux exposés à la Paris Games Week qui t'ont plus marqué cette année? Alors cette année, c'est particulier, puisqu'il y a beaucoup de jeux que normalement on vient essayer à la Paris Games Week qui sont sortis avant.
Pourquoi ? À cause de Red Dead Redemption 2. Parce que comme le jeu a été annoncé pour fin octobre, eh bien des jeux qui sortaient normalement fin octobre, début novembre, ont avancé leur sortie pour ne pas être face à Red Dead. C'est le cas de Call of Duty qui est sorti en octobre, ça s'était jamais vu. C'est le cas de Assassin's Creed qui est sorti début octobre, et là non plus ça s'était jamais vu. Donc je dirais qu'il y a pas mal de jeux qu'on avait vus avant la Paris Games Week. Moi ici j'aime bien découvrir les petits jeux indépendants, les jeux dont on n'entend pas beaucoup parler. Il y a pour ça un stand qui s'appelle les jeux Made in France, où il y a plein de créateurs plus ou moins petits qui viennent présenter leurs jeux. Et j'ai bien. Il y a un studio algérien, il y a même un stand entier avec des studios africains de toute l'Afrique. Donc ça c'est vraiment cool. Et moi parmi ces jeux-là, j'ai un petit coup de cœur pour Twin Mirror, le jeu de Dontnod. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien, découvrir les jeux un peu moins connus. Donc on respire un peu des gros triple A et tout, et toi tu préfères ces petits jeux si on veut, c'est pas un petit jeu quand même. C'est pas tant que je les préfère, c'est que je trouve que les triple A, c'est facile de les découvrir, on peut pas passer à côté. Mais je trouve que ce qui est sympa, c'est d'aller dénicher une petite pépite. C'est pour ça que j'aime bien acheter des jeux indépendants sur la Switch ou sur PC, sur Steam, des petits jeux qui coûtent pas très cher, mais c'est bien de découvrir une autre forme de jeu que les triple A. Merci Bertrand, merci beaucoup pour les quelques minutes. Et puis j'espère, on va te revoir de toute façon à la Paris Games Week, à l'E3, peut-être au TGS, je ne sais pas si tu y vas. Malheureusement, je ne vais jamais au TGS parce que c'est au mois de septembre et c'est la grande rentrée pour la télévision, etc. Donc je suis hyper occupé. Donc malheureusement, il y a des gens qui travaillent avec moi qui ont la chance d'y aller. Et moi, je suis jamais allé au TGS. Donc, le ESA, tu nous rappelles, on peut retrouver la chaîne en diffusion. Elle est en clair, là, en ce moment. Alors, la chaîne, elle est distribuée sur les box Orange, SFR à partir du 13 novembre, Bouygues, Free. Elle est en clair en ce moment chez Orange. Et puis, elle va arriver aussi sur le satellite avec Canal Plus International dans toute l'Afrique à partir du 14 novembre. C'est là que probablement, nous, on pourra profiter de ces programmes. Ouais, certainement, je vous le souhaite. J'espère, en tout cas, et je nous le souhaite aussi. Merci beaucoup. Sahed, chokran. Voilà, le habib. Alors, j'espère que la petite émission spéciale Paris Games Week 2018, en tout cas, on a vraiment chabba. Au final, le Wérombo, la Paris Games Week 2018, parce que le contenu de Drna, très très fort ou exclusif. De toute façon, on va le diffuser blague le mettre le gauche. Donc, je vous dis qu'blement ou d'accom, maintenant c'est aussi plateforme YouTube Gaming. Hajdid had l'am, rahi en force. Likez, partagez, abonnez. Bien sûr, beaucoup de jeux sont à offrir déjà. Un Astro Bot, Assassin's Creed Odyssey ou Belek, Red Dead Redemption 2, là où il harque les PS4 en ce moment. Voilà, messieurs. Donc, je vous dis à très très bientôt. Tallah ferahkom. Shaft من Paris 6 degrés البرد سلام تشاو قدم لكم هذا البرنامج برعاية أوريدو عيش الإنترنت.